Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Parole aux jeunes. Aujourd'hui, dimanche 12 juin 2022, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce 12e jour du 6e mois de l'année 2022. Nous allons encore aborder plusieurs sujets liés à l'actualité, liés à la jeunesse. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, le gouvernement togolais a lancé une campagne de reboisement afin de pouvoir atteindre un objectif, 1 milliard d'arbres d'ici 2030. En quoi consiste concrètement cet objectif et quelle est l'implication de la jeunesse togolaise dans l'atteinte de ces objectifs? Nous allons en parler tout à l'heure avec nos invités qui sont en tout cas des férus en la matière. Mais avant, permettez-moi de prendre la température de mes éléments qui m'accompagnent comme à l'accoutumée. Valentin à ma droite. Valentin, bonsoir. Oui, bonsoir Edem, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et un coucou, surtout à ceux qui sont abonnés sur notre page et qui nous suivent via Facebook. Bonsoir à vous. Nous sommes encore au rendez-vous du donner du recevoir de ce soir. Alors, apprêtez-vous, de belles choses vous attendent. Merci beaucoup Valentin pour ces mots. Bénédicte. Oui, bonsoir Eden. Comment ça va? Je vais bien et toi? Je vais bien aussi. Ok. La semaine, ça s'est bien passé? Très bien passé, par la grâce de Dieu. Tu as bien en loose clavita. Ok, bonsoir à mes chers téléspectateurs. J'espère que vous portez très bien. Alors, installez-vous confortablement parce qu'on vous réserve du lourd ce soir. Alors. Ah, du lourd comme le featuring de Mike. Okay, c'est ça. Ok, on va en parler tout à l'heure. Mais avant, nous allons faire une dédicace spéciale à un artiste, un jeune artiste qui est également à ses débuts. Nous espérons peut-être que lui aussi nous fera la surprise en faisant un featuring avec le Toufan. Oui. Il s'appelle Black Baby. Valentin va tout à l'heure nous le présenter en quelques minutes avant que nous vous permettions de découvrir l'excellent travail que cet artiste est en train de faire de l'autre côté de... Oui, nous sommes toujours dans... Il est à l'intérieur du pays, bien sûr. Il est à l'intérieur du pays, nous sommes toujours... Bon, vas-y, présente-le. Alors, rapidement, nous avons encore le plaisir ce soir et nos caméras dans l'émission Parole aux jeunes. Tournons nos regards vers ce jeune-là. Il s'appelle Ntare Kodjo à l'état civil, mais comme notre artiste, il s'appelle Black Baby, ce jeune qui fait le R&B. Et pas mal, il a commencé depuis 2017 avec son premier single, s'il vous plaît, intitulé... Mali Dassé. Donc c'est quelqu'un aussi qui aime chanter la vie, parler des réalités de la vie et donner un coup de force à ces gens-là, à la jeunesse qui actuellement se cherche. Et il faut qu'on ait l'espoir que ça va aller. Donc dans tous ces trucs-là, il aime collaborer avec ces artistes pas mal que je peux citer. Il y a Emorej, il y a Atias La Musique. Je ne fais que citer ces genres de personnes qui chantent aussi la vie pour donner un coup de force à la jeunesse. Mais ce soir, nous allons parler de son single qui est sorti tout récemment la semaine passée, intitulé L'Espérance. Espérance qui donne encore un coup de force à nos jeunes, que quel que soit le cas, alpha, bêta, il faut qu'on ait l'espoir là que ça va aller, ça doit changer et que par la prière et nos efforts de tous les jours, je pense qu'un jour ça va changer. Alors, en complicité avec la régie et mademoiselle Bénédicte qui a brandi ses regards sur moi et sur l'artiste là. Ensemble, nous allons voir ce que notre ami Black Baby nous réserve ce soir par le biais de la régie de la télévision deuxième. Alors, si la régie est prête, nous allons lui permettre de nous faire visualiser cette belle vidéo que notre ami Black Baby réalise ou a réalisé dans la région des plateaux. Nous allons suivre la vidéo et nous allons revenir juste après. It's your boy Black Baby, yeah. I'm a lawyer, yeah. Vena e la ginenia auya be au quanto vena e la ginenia ataya be au ya
nous la vengeance du coco. Pour y voir pour la vengeance du coco. Nous mettons pour la vengeance du coco. Ah oui, comme y'a nous la vengeance du coco. Pour y voir pour la vengeance du coco. Nous mettons pour la vengeance du coco. Ah oui, comme Ayadu vi mukuna china ya meode Nino se mitone mi jolo Nume toto muya diabe nungu wola Etia mino se mitone mi jolo Si ya la vi, ya despoa Si ya despoa, sa ve ale Si ya la vi, ya despoa Si ya despoa, sa ve ale So e da do klogi ma u la se so do tana Ocha ha vi de pa ma u ya di e la we na Que vide que ya mube na fumato wato Y chamba bato fu koko koko Aya dugu la vantrosu du koko Kogi fafo la vantrosu du koko Nube toto la vantrosu du koko Mawe mkome Aya dugu la vantrosu du koko Kogi fafo la vantrosu du koko Nube toto la vantrosu du koko Mawe mkome Mama Shan depuis Italie. No music. Dino de Faya. Ishbinda. Ali le grand. Petit bazar. Chewas. Omadiya. La cousine ino niade. Ewa kwa. Ende chikano. Irere. Ochinta tati ayeni mo. Mbe na binga. Ende chikano. La vede kwa. Eto na wa. Ola ngombe. Na bede blo e solo na wa o la gombe Ape no ke vide kbe ya mbe na fuma to wa to Icha mba tofu koko koko Aya nubu le wa to Iba mba le wa to Nube nube kame kome papa wa to Nube kome koko Aya nubu le wa to Établissement, tout est possible à Dieu. Pasteur Mauton, MVC. Merci beaucoup à la régie. De retour sur ce plateau de Parole aux Jeunes. Je rappelle que nous avons comme sujet principal la campagne de reboisement que le gouvernement a lancée d'ici. Qui nous permettra d'atteindre 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Mais avant d'aborder ce sujet, permettez-nous de pouvoir nous concentrer juste un peu sur l'actualité du jour ou de la semaine. Et l'une des actualités qui est un peu, je vais dire, triste, c'est la défaite récente de nos éperviers après l'échec que nous avons eu à domicile. Il y a eu une autre défaite sur, je pense que c'était au Maroc, Valentin. Voilà. Oui, c'était au Maroc. En tout cas, c'est toi qui es spécialisé sur les questions footballistiques et c'est toi qui es plus proche des éperviers. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé le mardi au Maroc? Le mardi au Maroc, comme l'a dit le capitaine Djéné Dakonan, qu'il assure qu'il n'a pas d'explication, on ne sait par où commencer et finir par où. Parce que en 2006, si je peux retourner un peu en arrière, on peut constater que les conditions n'étaient pas normales comme eux autres ils ont les conditions là aujourd'hui. Parce que a affirmé le capitaine qu'ils étaient dans des bonnes conditions, les entraînements, les conseils et tout. Maintenant, arrivé sur le terrain, ils ne savent pas concrètement ce qui se passe. Alors le coach était déçu. Le nouveau coach pourquoi était déçu. Parce c'est que de sa faute, non? Moi, je ne peux pas dire tout de suite que c'est de sa faute parce que il a donné le meilleur de lui-même. Il a fait le maximum. Le coach peut tout faire. On peut amener même Zidane ici. Le Zidane va faire que donner les techniques, il va vous donner les directives. Alors le reste des choses, c'est sur le terrain. Et c'est à vous les joueurs de démontrer, de donner le meilleur de vous-même. Le coach a fait son travail. Le coach
si on l'accuse ou pas. Et puis bon, quand on va accuser le coach tout de suite, moi je ne serai pas d'accord, parce que le coach, ce n'est pas le coach qui viendra jouer à votre place. Le coach a mis une tactique de jeu, et vous qui êtes joueur, si on te prend... Les joueurs n'ont pas bien fait leur travail, c'est ça? Oui, c'est leur job. Donc s'il y a quelqu'un à punir, c'est plutôt les joueurs. Ce sont les joueurs qu'on doit accuser. L'entraîneur a fait son travail. Oui, même si on dit que le coach a sélectionné que certains joueurs, quand nous vont sur le toit, on dit Chaké Marouf, on a cité certains joueurs qui sont à 3 mois, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas fait un jeu, tout ça là, mais on lui est placé. C'est parce que le coach, dans les jours passés, Chaké Marouf a donné le meilleur de lui-même. Il a joué et les gens ont applaudi sur le toit. C'est nous qui avons commenté, c'est nous qui avons dit des choses sur Chaké Marouf qu'il faut qu'on le convoque. On a convoqué Chaké Marouf. Cela veut dire que si on t'appelle quelque part de venir travailler, si tu es bon, si tu es mauvais, le jour où on te donne une confiance, il faut prouver ça à la population. Okay. Bon, maintenant, ça c'est bon. Ce sont des détails. Voilà. Maintenant, pour aller vite et de façon très concrète, est-ce que le Togo peut jouer la CAN ou bien on est éliminé? Moi, j'ai plus confiance. Oui. Ah non, on est maintenant dans la période. On avait commencé dans la période des calculs. Les calculs vont commencer bientôt. Non, ce n'est pas que ça va commencer, c'est déjà commencé. Ah, c'est fini. C'est déjà commencé. Ah, toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et c'est quelque chose qui est un peu déplorable, mais j'en suis sûr que les joueurs, même maintenant, ils sont conscients. Si vous allez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, eux-mêmes, ils sont conscients de ce qu'ils ont produit l'autre fois, comme le jeu. Il n'y a même pas l'engagement, il n'y a même pas l'envie. On ne sent même pas ces joueurs qu'ils portent le drapeau, ils portent le nom du pays. Et dans leur club, ce qu'ils donnent dans leur club, ce n'est pas ça que nous voyons. Voilà, c'est ça le problème. Ce n'est pas une question de motivation. Est-ce que nos joueurs sont assez motivés? Je pense que c'est une question de motivation. Voilà. Si vous avez suivi un peu l'actualité, quand ils étaient dans le bus pour aller sur le terrain, la manière dont les prédécesseurs chantaient avec une joie. Est-ce que ça chantait le problème? Non, une vivacité. Est-ce qu'ils sont bien payés? C'est la question. Non, moi je pose une question. Est-ce que les joueurs. Parce qu'il a dit que quand ils vont dans leur club, ils jouent bien. Et on sait combien on leur donne dans leur club. Il y en a qui sont dans des millions. Maintenant, pourquoi est-ce qu'arrivé au Togo, ils ne jouent pas bien? C'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Non, ce n'est pas l'histoire. C'est parce qu'il n'y a pas une certaine cohésion dans les clubs. On peut dire d'une manière à une autre qu'il n'y a pas encore cette cohésion. Quand il y a la cohésion, quand il y a cette détermination de se donner ensemble, vous allez voir que bon, ça va donner. Quel que soit les cas, ça va donner. Et pourquoi ça ne donne pas? Jusqu'à là, on dit non, il y a ça. Après, on a changé le président. On a un nouveau président. Je pense que tu as parlé de deux choses. Oui. La cohésion et la motivation. Voilà. La motivation. Quand tu parles de la motivation, je ne parle pas forcément de l'argent. C'est quoi la motivation? Oui, par exemple, les joueurs vont jouer. Il n'y a pas. Déjà, vous êtes découragé par la population. Déjà, hein, parce que nous n'avons plus confiance parce qu'on avait genre la confiance qui était avant. Oui. Mais maintenant, on n'a plus confiance à notre équipe, franchement. Parce que moi, franchement, façon dont j'aime le football. Maintenant, quand je joue, déçu. Ils m'ont déçu. Je te dis, je ne sais pas si c'est 4-2013. J'avais pas mangé parce qu'on nous a gagné. J'avais pas mangé. Tout le monde disait, quand il y a un match là, je ne fais plus rien. Je peux même griller l'école pour le football. Même maintenant, je ne peux plus faire ça. Parce que... Mais monsieur, le temps, tu vas aller dormir. Je te dis, on jouait la fois dernière là. Tu savais même pas qu'il y a... Je savais qu'il y a un match, mais je me suis dit, hein, là où on nous a mis 2-0 là, je me suis dit, hein, si je regarde, moi, je vais avoir head attack. les Anglais. Quand je vais avoir crise cardiaque. Parce que le football, c'est quelque chose qui amène... Le fait de regarder, on est découragé tout d'abord. La population est découragée. Qu'est-ce qui pousse la population à être découragée? Tout d'abord, c'est les joueurs, comme tu l'as dit. Mais il ne faut pas forcément indexer les joueurs. Parce que avant qu'il y ait une bonne équipe, on a dit équipe. Et avant qu'il y ait une bonne équipe, il faut quand même avoir autour des choses qui sont réglo. Tout d'abord, quand je parle de la motivation, est-ce qu'il y a de l'harmonie même derrière
les vestiaires, ou bien comment ils appellent ça, moi. Oui, derrière les vestiaires, là. Dans les vestiaires, est-ce que il y a de l'harmonie? C'est ça aussi. Bon. Il y a pas, parce que moi, j'ai écouté des choses, tout le monde a donné son avis par rapport à ça. Et je me dis... C'est le fait qu'on ne permette pas aux anciennes... C'est vrai. Des cas où les nagnons... Genre, nous vivons les nagnons, nous les nagnons, nous les nagnons, nous les nagnons. Oui, et après ça, maintenant, eux-mêmes, ce qu'ils donnent là-bas, là, c'est pas ça qu'ils donnent ici. Mais je pense que la population togolaise a besoin du football togolais. C'est ça. Le football unit le peuple. Oui, c'est ça. Et nous avons besoin de ça. Oui. Mais maintenant, tant bien même que j'ai envie que nous allions à la CAN en Côte d'Ivoire, qui est tout près de nous ici. Et je pense que si on gagne, il y aura beaucoup de population. C'est plus en Afrique du Sud ou quelque part d'autre. Même maintenant, ça va aller. Je suis découragée quand même. On doit gagner. Le bulletin. On ne va pas, mais on doit gagner. En tout cas, je ne crois plus quand même. Même si c'est un peu compliqué. Bon, pour aller rapidement, il y a aussi certaines informations qui font croire que le staff ne voudrait pas associer les anciennes gloires pour manager l'équipe. Est-ce que c'est aussi l'un des problèmes? Oui, quel que soit le cas, c'est sur les anciennes cordes. Ben, bon, il faut appeler le chat par le chat. Hein, on a parlé, on a écarté à des ballons. Oui. On lui avait même interdit de l'accès au vestiaire et tout ça. Là, ce qui a été des choses. Les aussi, on les a écartés. Et puis, il y a quelque chose. On accuse aussi le team manager, Serge Akaku, d'avoir écarté, par exemple, Wame Dove, tout ça là aussi. Est-ce que c'est le team manager? Mais le general manager non, ce n'est pas lui, il amène les joueurs. Lui, il vient. Est-ce qu'il n'a pas fait sa part? C'est la capo. Bon, pour le moment, ce que nous voyons, certains matchs amicaux qui ont été négociés par lui, et c'était pas évident qu'on puisse jouer certains matchs amicaux qu'on a fait entre temps en Turquie et tout. C'est parce qu'il a mis ses relations en marche et cela nous a permis de jouer ces matchs amicaux. Est-ce que lui n'a pas fait sa part? Et peut-être que le problème il est ailleurs. Vous voyez quand les problèmes surgissent, chacun dit ce qu'il pense de la chose. Maintenant, à nous de savoir faire la part des choses. Pour le moment, nous sommes au bout du tunnel. Nous sommes déjà presque noyés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça qui doit être notre objectif maintenant. Et je pense que la population est vraiment déçue, découragée même. Et entre-temps, on se dit, on est découragé, mais par rapport à leur prestation la fois dernière au Maroc, c'est ça qui a mis les choses maintenant au chaos. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que le match entre le Togo et le Burkina Faso, la population... On va gagner, t'inquiète pas, on va gagner. On va gagner. Ok, je te donne 20 secondes pour placer un mot, et si les hyperviens nous suivent... Oui. Peut-être que ça pourra leur donner un peu. D'abord, c'est quand déjà le. C'est oui, c'est en septembre. Okay, c'est en septembre. On a le temps pour motiver nos joueurs. Voilà. En 20 secondes. Moi, je ne vais pas motiver les joueurs parce que le boss, Samuel Eto'o, a dit: je m'en fous de quel adversaire qui est en face de vous. C'est votre travail. Par exemple, le caméraman ne peut pas nous dire que c'est parce que la salle n'est pas comme ça qu'il ne peut pas brandir la caméra sur nous pour qu'on fasse le travail. Le joueur, il est censé de donner le meilleur de lui-même. Ce qu'on a besoin de chez eux, c'est de nous apporter les 1 point. Alors, on ne demande pas, vous avez bien joué. À la finale, on demande qui a gagné. Les éperviers ont gagné. Point. Maintenant, au niveau de la population... Vraiment, nous sommes découragés. Nous tous, nous sommes découragés. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. On va continuer par les pousser. Et on entend les décabinants, comme j'ai dit. Il ne faudrait pas qu'ils disent par après que bon, on a fait ci, mais la population aussi nous a laissé à la fin. Non, nous, on va continuer par les soutenir, à les pousser, à leur donner un coup de force. Mais eux aussi n'ont qu'à savoir, que ce soit au niveau du staff, que ce soit au niveau du team manager. Et que nous tous... Mettons-nous, mettre dans la main. Merci beaucoup d'avoir en tout cas cité ces différentes autorités qui travaillent pour le rayonnement, pour en tout cas une nouvelle vision du football togolais. J'espère que ces personnes-là nous ont suivis, surtout le team manager, Serge Akaku. C'est aussi, il était un capitaine, non? Oui, c'est lui qui a, capitaine. C'est lui qui a été capitaine après, je pense à Emmanuel Adebayor. Oui, donc nous espérons qu'ils vont apporter un peu plus d'innovation pour le football togolais. Et Bénédicte, toi qui as aimé
le football. Quel message en 10 secondes tu voudrais dire? En tout cas, que le football togolais, je ne sais pas, ait une nouvelle vie. C'est ça. Oui, c'est ce que moi je souhaite. Et je pense qu'ils vont faire leur effort parce que tout là, hier ou bien le dans mardi, la semaine, le mardi, on a invité Adebayo au Bénin. Au Bénin. Bon, en tout cas, on va parler de ça une autre fois. Et ça, je pense que moi, je me suis demandé, c'est ça qui a donné la force aux écureuils de gagner au Comoros. Vous voyez comment on l'a adoré là-bas, si je peux me permettre de le dire. Là, vous avez été intronisé. Oui, intronisé. Mais ici, on n'a pas cette force-là de pouvoir donner de la valeur à nos stars. Ça, donc, ça, moi, c'est je un dis, autre débat. Oui, c'est un autre débat, mais je voulais quand même tisser une corde déjà pour ça. Okay. C'est que moi, je dis. Tout et Misso, Kaisaro, Tona, Kaisaro. C'est qu'on parle du football. C'est pourquoi je veux quand même parler. Allô, Tona, Mao, Kaisaro, Tona, Kaisaro. Donc, que tout le monde fasse son travail. C'est ce que je peux dire. Que tout le monde fasse son travail pour l'évolution du football. Merci, Bénédicte, pour nous avoir rappelé ce proverbe, cette citation. Misso, Kaisaro, Tona, Kaisaro. Misso, Mao, Tona, Mao. Donnez ce qui est à Dieu, ce qui est à César, à César. Mm-hmm. Donc ce qui est au football togolais, ce qui est au football béninois. Donc que les Béninois nous ramènent notre Adebayo. Il nous appartient. Bon, on ne veut pas de problème. On ne va pas se tirer sur ça. Il nous envoie notre Adebayo. J'espère qu'ils nous ont bien sûr. Notre Adebayo est là pour nous. C'est ça. Il est là, il sera là. Nous espérons beaucoup de chance qu'ils ne fassent pas attention aux mots déplacés que certaines personnes ont eu à partager sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est l'amertume, c'est la déception. Quand on... Parce qu'arrivé à un moment donné, on a quand même eu de la confiance. On croyait que le football togolais est revenu. Même moi, là, quand j'ai vu notre groupe même, je me suis dit, on a la chance de gagner. On a retrouvé nos anciens pervers. C'est normal qu'on soit un peu déçu. Mais on ne va pas vous lâcher. On est toujours derrière. Nous espérons qu'on va battre le Burkina Faso. Et qu'on ça nous permettrait d'être qualifié. Si Ghetto Mike a réussi à faire featuring avec Mr. P, ce n'est pas impossible que le CPV gagne. Voilà, c'est pour ça que j'adore l'inspiration. S'il y en a qui sont encore sceptiques et ne croient pas que Ghetto B a réussi à faire ce featuring avec Mr. P, qui est le frère jumeau de Hot Boy dans le groupe P-Square. Mm-hmm. Tout le monde connaît P-Square. Mm-hmm. Donc disons que Ghetto B et Ghetto Mike a fait un featuring avec le groupe P-Square en quelque sorte. C'est ça. S'il y en a qui ne croient pas encore que la régie nous permette de visualiser en tout cas ce beau projet qui a été fait, apprécier la qualité de la vidéo, apprécier la qualité du rap en anglais de notre en tout cas de notre star aujourd'hui international, Ghetto Mike. Si la régie est prête, suivons plutôt. Let it marinate. Heaven is smiling, the devil is angry. The way I'm feeling, you can't imagine. When heaven is smiling, you see the devil is angry. The way I'm feeling, you can't imagine. Only the best goes first. Life is a trash, but nobody can really discuss with that when he decides. I raise the hand into the sky. Thank you, Father, cause you made his life shine brighter than the stars. He came, he saw, and then he conquered. That's why I see him as a model. No matter what happened, the love is still the same. No matter what they say, my love remains the same. No one compares to you, you know it's true. The war ain't over, it's just a last battle. Even though my eyes is crying, my heart is smiling. And even though the sky is dark, the star is shining. Who God bless, no one cursed. You've been the living proof. Under your wings, you've been the number line and bulletproof. You are the air I breathe, the water I drink, the food to die each child of bash, live for life. Heaven is smiling, the devil is angry. The way I'm feeling, you can't imagine. When heaven is smiling, you see the devil is angry. The way I'm feeling, you can't imagine. Yeah. Say the people, where do you go? Not stay for so long. Yeah. Eyes on
on my face when I'm thinking about it, oh Lord, yeah. But life is a picture right now, I can play you my song. I can play you my song, but I just imagine angels smiling deep in my heart and I doubt it. Give me something to believe in, for a life that we're living now. Every night I still see your face, yeah. Cause I know if you forget what you mean to me now. Heaven is smiling, the devil is angry. The way I'm feeling, you can't imagine. When heaven is smiling, you see the devil is angry. The way I'm feeling, you can't sur ce plateau après cette belle vidéo, cette belle collaboration de notre ambassadeur Ghetto Mike en featuring avec Mr. P, en tout cas Pisqueur, non, quand il a fait un featuring avec Pisqueur. Alors Bénédicte, qu'est-ce que tu as à dire après cette collaboration, la vidéo, le rap, le flow et surtout. Eh bien, tu es vraiment inspiré ce soir. Ah hein? Oui. Non, j'adore ton inspiration. Ok, je dirais tout d'abord félicitations à Ghetto Mike parce que franchement, on est ébloui. La population togolaise est éblouie par cette belle collaboration Nigeria-Togo. Et moi, par rapport au clip, c'est sans commentaire. C'est sans commentaire, le professionnalisme 100%. Mais à part cela, je dirais que j'ai pas aimé quelque chose. Oh. On va parler de ça d'abord. C'est que, Ghetto Mike, j'ai aimé le flow. Tu as bien parlé l'anglais, tu as bien fait, tu as... Je ne sais pas comment l'expliquer, quoi. Je ne t'ai plus reconnu. Mais pourquoi tu n'as pas au moins dit un seul mot en éveil? Un seul mot en éveil, tu n'as pas fait. Un seul mot en français même, c'est un problème. Pourquoi? Tu n'es pas nigérien. Tu n'es pas nigérien. Si on veut aller maintenant donner une image à la population, à notre Togo là, il faut quand même qu'il y ait ce genre de choses. C'est ça que j'ai pas aimé de la part de Ghetto Mike, mais j'apprécie quand même son courage, son audace, parce que il fait partie de ces personnes qui ont donner quand même quelque chose pour le rap togolais, mais ça n'a pas, je dirais, si je peux me permettre de le dire comme ça, que ça n'a pas donné grand chose. Mais si ça peut quand même aujourd'hui, après tant d'années d'expérience, donner quelque chose, ça, félicitations, vraiment félicitations à Ghetto Mike. Et pour ceux qui n'ont pas cru, Kérosène a dit, tous ceux qui m'ont jeté vont me rechercher. Ceux qui n'ont pas cru que Ghetto Mike là, il peut faire buzz ou bien il peut faire fit avec Mr. P. Et les gens ont dénigré Ghetto Mike qui ne peut pas faire fit là. Il y a quelqu'un qui te contredit, d'accord. Il y a un téléspectateur qui n'est pas du tout d'accord avec toi, qui pense que le fait pour Ghetto Mike d'avoir chanté en anglais ne constitue pas un véritable problème. Non, parce que l'anglais est une langue internationale, donc ça ne... Je ne suis pas contre totalement. Je suis pas d'accord. C'est que, selon moi, il peut le faire normalement. Mais c'est pas que c'est ce que je dis qui est vraiment l'évidence. Il peut faire ce qu'il veut. Ghetto Mike, on le connaît, qu'il aime beaucoup l'anglais. Donc, je ne dis pas qu'il doit le faire forcément. Mais j'ai quand même parlé d'un seul mot. Il peut quand même mettre un mot en éveil dedans et tout. Mais bon, justement, c'est déjà sorti. Ceux qui n'ont pas cru là, c'est ça, hein, c'est ça qui est ça. Ghetto Mike, je dis prochainement là, faut faire plus que ça même. Prochainement, on peut le voir avec Econ ou je ne sais quoi. Avec Econ, voilà. Avec... Prochainement. 30 secondes.
Prochainement, moi, je veux voir Jero Mike avec Weezy. Oui, c'est ça. Wow. Et ça, là, nous jetons d'abord des fleurs à Jero Mike qui a osé. Voilà, je résume ça en trois mots. La jeunesse africaine. Mm. Et surtout, chez moi, au Togo, osons voir les choses autrement et changeons de stratégie. Ça doit aller. Merci beaucoup à toi, Valentin, cette très, très belle conclusion. J'espère que tu as déjà planté l'arbre. Tu me l'as promis. Oui. Okay. Nous allons recevoir donc nos deux invités qui sont en tout cas spécialisés sur les questions environnementales, qui vont discuter avec nous sur ce projet que le gouvernement a lancé, la campagne de reboisement pour avoir d'ici 2030 un milliard d'arbres. Comment est-ce que nous, jeunes, nous pouvons nous impliquer davantage pour l'atteinte de cet objectif? Nous savons très bien que les arbres constituent un élément fondamental dans l'écosystème. Mmh. Ça protège l'environnement. Les pays aujourd'hui qui se disent développés et qui ont dans leur ville les gratte-ciel à la place des arbres, nous voyons comment est-ce qu'ils souffrent en ce qui concerne la chaleur. Actuellement en Europe, il y a la canicule qui est en train de, en tout cas, d'inonder les Européens. Ils sont en train de suffoquer sous l'effet de la chaleur. Donc nous voyons combien les arbres sont vraiment important. Dieu nous a bénis en Afrique en nous donnant autant d'arbres. Comment est-ce que nous nous engageons à mettre vraiment ces arbres-là à contribution pour que nous puissions avoir un monde meilleur, une Afrique prospère? Nous allons en discuter avec nos deux invités qui vont bientôt nous rejoindre sur le plateau. Pour pouvoir accompagner mon cher ami Valentin, nous allons demander une petite pause à la partie technique pour qu'elle puisse nous jouer un jingle et nous allons recevoir nos invités. De l'émission Parole aux Jeunes. Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette deuxième partie de notre émission pour parler de ce sujet très important. Je rappelle que vous pouvez nous poser vos questions, vous pouvez donner votre avis sur le numéro 92 11 18 61. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp ou sur GSM. Vous pouvez aussi intervenir sur notre page Facebook en nous donnant vos avis, en nous posant vos questions. Ceux-là qui veulent vraiment très bien comprendre la question environnementale, quels sont les enjeux, les défis, vous pouvez intervenir via ces différents canaux que nous venons de citer, notamment la page Facebook ou encore notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire, comme je l'ai dit, sur WhatsApp ou vous pouvez nous envoyer également des messages GSM. Alors, avant d'aller au fond du sujet, permettez-moi de planter le décor. Depuis quelques années, au Togo, la date du 1er juin a toujours été une date très importante pour nous. Cela avait été initié par le feu président Gnassingbé Eyadema, qui amenait la population, qui encourageait le peuple à planter un arbre afin de pouvoir contribuer, en tout cas rendre notre pays vert, à permettre à notre pays d'être un exemple en termes de protection environnementale. Et Dieu merci, aujourd'hui nous avons vu que cela a été vraiment un exemple qui a été suivi par la population. Et depuis quelque temps dans notre pays, l'État a lancé une campagne de reboisement qui encourage tout un chacun de nous à travailler afin de pouvoir atteindre un objectif noble, celui d'avoir un milliard d'arbres d'ici 2030. Ce n'est pas assez évident, c'est ce que l'on se dirait, mais si nous tous nous impliquons davantage dans ce combat, nous réussirons à atteindre effectivement les 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Et une couche particulière de la population reste en tout cas la route maîtresse de l'atteinte de cet objectif, c'est-à-dire la jeunesse. Que pouvons-nous faire en tant que jeunes
pour atteindre cet objectif. C'est de ça que nous allons parler avec nos amis qui sont à mon extrême gauche. Nous pouvons maintenant les voir. Voilà, ce sont en tout cas des gens qui sont très pointus sur des questions environnementales. Vous allez le découvrir vous-même. Et je vais vous permettre ou leur permettre eux-mêmes de pouvoir se présenter. Monsieur Tinkler. Allez-y. Okay. Merci pour l'invitation et je dis bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et c'est un honneur aujourd'hui de venir parler de ce sujet qui est très crucial parce que l'environnement, aujourd'hui nous vivons dans un environnement et il faut chercher des voies et moyens pour protéger l'environnement dont nous vivons. Donc je suis Lucien Koufi Agbeko, responsable de l'entreprise Groupe Lumière Jeunesse et qui est dans les prestations du entretien nettoyage et le jardinage. Donc merci de nous avoir invités. Merci à toi, cher ami, pour avoir accepté notre invitation et partager avec nous toute ton expérience sur les questions environnementales. Monsieur Tenoir. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Et je remercie beaucoup la TV2 pour cette chance qu'elle donne à tous les jeunes de s'exprimer. Donc nous les remercions beaucoup. Ils n'ont qu'à continuer dans ces œuvres-là. Super. Et nous allons travailler ensemble et faire évoluer notre pays. Justement. Donc moi je réponds au nom de M. Datier, Danran, Coma et Fion. Je suis ingénieur des travaux des eaux et forêts. Alors merci beaucoup. Vous êtes ingénieur, vous avez gardé la parole, ingénieur des travaux des eaux et forêts. Ça veut dire quoi? Vous travaillez dans l'eau, vous travaillez dans les forêts? Non, ingénieur des travaux des eaux et forêts, c'est par rapport au cursus. En fait, j'ai fait, et après le bac, j'ai fait une formation à l'INFA de Touré, bac plus 3. Donc, ce qui équivaut aux licences professionnelles avec un titre d'ingénieur des travaux des eaux et forêts. Ok, d'accord. Donc, c'est ça, spécialement la foresterie. Je me suis spécialisé en foresterie. En foresterie. Donc, vous travaillez avec les forestiers. Voilà. Vous êtes forestier. Moi-même, je suis forestier. Seulement que. Vous n'êtes pas militaire. Voilà, nous, on n'a pas suivi la formation militaire. C'est seulement la différence. Okay. Mais vous êtes souvent dans les forêts. Oui, oui. On fait des missions de dans les forêts. Beaucoup. Et vous travaillez aussi dans l'eau? L'eau? Oui, bon. Pour rentrer dans l'eau, comment ça se passe? Non, en fait, quand nous parlons d'ingénieur des travaux des eaux et forêts, donc, et la forêt et l'eau, elles sont souvent ensemble. Voilà. Donc, pour que les plantes reboisées puissent grandir, il faut l'eau. De l'eau. Il faut de l'eau. Okay. Donc, c'est dans ce sens que c'est ingénieur des travaux des eaux et forêts. On ne peut pas dissocier les deux. D'accord. Ok, donc, super. Monsieur Lucien Agbeko, vous travaillez. En tout cas, dans le domaine. En tout cas, ces deux domaines qui sont liés, l'entretien, le jardinage et tout ça. Permettez-moi, en quelques secondes, de comprendre un peu. Souvent, nous faisons de l'amalgame entre reboisement, déboisement. Ça veut dire quoi? Et puis, forestation, déforestation. Bon, mais fondamentalement, reboisement, déboisement. Bon, je peux y aller. Voilà. Et on dit reboiser, en fait, c'est planter. Voilà. Planter les arbres. Et, ou bien c'est ça, c'est l'activité qu'on appelle le reboisement. Okay. Donc, reboisement, c'est le fait de planter des arbres. Oui, reboiser. Donc, c'est quand il faut planter les. On dit, comment on peut parler des bois. Donc, son contraire, ça peut dire, c'est comme si le jour qu'on est en train de couper ces arbres. Tu vois, c'est quand on est en train de déboiser des arbres, c'est-à-dire on coupe. Donc, c'est pour cela qu'on parle de déboisement. Donc, ces deux mots, ce sont des deux mots, un mot et son contraire, le fait de reboiser. Et d'accord. Donc, reboiser, c'est planter, déboiser, c'est comme c'est couper, de façon en Afrique. Pour encore ajouter un mot, en fait, reboisement est synonyme également de afforestation. Reboisement, c'est encore afforester. Et si je rejoins mon ami Lucien, c'est l'afforestation, c'est de planter les arbres sur un terrain. Voilà. Donc, et son contraire, c'est ça qui est la déforestation. Voilà. Le déboisement. Le fait qu'on coupe les arbres, on détruit de façon anarchique les arbres. Bon, des fois pour
l'agriculture, tout ça là. Bon, si je ne veux pas aller trop loin. Alors, super. Monsieur Agbeko, je sais très bien que comme vous êtes dans le domaine, le 1er juin, vous étiez aussi sur le terrain afin de pouvoir suivre cette recommandation qui a été, en tout cas, je vais dire, l'habitude d'être au Togolais depuis quelques années. Et c'est même une habitude civique. C'est très important de planter des arbres le 1er juin. Et ce 1er juin, vous étiez quelque part très loin pour accomplir votre devoir civique. Parlez-nous un peu. Ok, merci. Comme d'habitude, vous l'avez dit, chaque 1er juin, les Togolais sont appelés à faire leur devoir civique. Justement. Donc, cette année, depuis l'année passée, nous avions fait à Tapame seulement. Cette année, nous avions prévu le faire aussi dans la région maritime. Nous avions choisi la commune AV2. Okay. Donc, nous avions planté aussi là-bas avec au moins 3400 plants. Et c'est une initiative de l'entreprise Groupe Lumière Jeunesse. Nous avions acheté un terrain là-bas. Et depuis le début d'année, comme c'est un investissement, il faut commencer depuis le début d'année. Nous avons initié le programme, mobilisé les ressources pour pouvoir faire l'activité lors du 1er juin. Justement. Et nous avons essayé de mobiliser aussi les ressources humaines parce que ce n'est pas le groupe Lumière Jeunesse qui est allé sur le terrain. On s'est fait accompagner par d'autres associations et entreprises togolaises que je vais essayer de saluer de passage, Idole Africa et la communauté Nyonoufia, Centre de jury sociaux et Randy Hardy, Togobe Sourire et j'en passe, qui sont des entreprises et des associations qui nous ont accompagnés à réaliser ce projet-là avec succès le 1er juin 2022. Donc, après ça, le 2 aussi, j'étais encore à Tapame pour le compte d'une autre association qui est purement dans l'environnement, qui est dans la gestion des ordures. Donc, comme routine chaque année, nous organisons aussi dans la commune Amoutroua, nous avons encore reboisé dans les écoles. Parce que nous pensons que le reboisement, tout ce que nous avons dit dans l'environnement, si ça ne prend pas effet dès le début, c'est-à-dire l'éducation à l'environnement, on peut beau parler, mais ça ne va pas changer. Mais si dès l'enfance, on a appris à nos enfants de pouvoir poser cet acte, nous savons que ça peut donner du fruit. L'entreprise, l'association, vous parlez tout à l'heure de chaque année. L'association, elle a fait combien d'années? Bon, nous sommes au niveau de l'entreprise Groupe Lumière Jeunesse, nous tendons vers la quatrième année. Le 13 novembre prochain, on va faire 4 ans. Et c'est le 13 novembre 2018 que l'entreprise est lancée. Ok, maintenant, quand vous faites les reboisements chaque année, après vous faites la suivi de ces choses-là, ou bien c'est quand vous faites maintenant, vous avez fait AV, vous partez à Aniho prochainement et vous ne revenez plus, ou bien vous visitez de temps en temps pour voir comment ça évolue. Ok, merci. Et moi, je vois tout programme comme des opportunités. Et j'aime beaucoup plus si la jeunesse, parce qu'on a lancé 1 milliard d'arbres. Les arbres que nous plantons aujourd'hui ne vont pas rester là-bas jusqu'à l'éternité. Bon, l'ingénieur est là et il faut un temps donné, il faut couper ces arbres-là et replanter. Et le fait de couper ces arbres, ce sont de l'argent que tu es en train de faire, mais ce sont des investissements à long terme. Ça ne suffit pas de planter, mais il faut avoir l'entretien de ces plants. Parce que lorsque vous faites l'entretien de ces plants, ça permet aux plants de se développer et proprement dit. Et ça ce sont aussi, comme je l'ai dit au début, c'est des investissements. Donc, on fait des suivis chaque année. Donc, on sait que les plans que nous avons utilisés, ça fait 15 ans. Il faut suivre ça 5 ans, 10 ans. Donc, c'est comme ça que nous faisons nos programmes et les projets. Ok. Alors, il y a follower qui pose une question. Il demande le fait, parce que nous parlons un peu de l'implication des jeunes dans l'atteinte de cet objectif 1 milliard d'arbres. Maintenant, il voudrait savoir si c'est votre manière à vous de contribuer à l'atteinte de cet objectif. Oui, certainement, c'est notre manière de contribuer. Et je le dis,
quelqu'un m'a posé la question la dernière fois quand il a suivi l'article qui a été écrit. Et il pensait que nous avions reçu un fonds quelque part. Je pense que c'est l'idée qui se cache derrière. Je vais aller directement. Nous avions mobilisé, ça fait, nous avions dépensé au moins 2 millions 200 000 pour faire ce projet avec notre propre fonds. Il y a zéro franc qui est rentré, qui vient de dehors. Donc c'est notre propre fonds que nous avons mobilisé pour faire le projet. Donc c'est ça. Je vais vraiment féliciter pour ça. Hein. Félicitations. C'est ce que je vais dire. Merci beaucoup. Et c'est ce que je vais dire. Il y a les responsabilités sociétales des entreprises. Lorsque tu es en train de produire, il faut produire d'une manière responsable en faisant quoi? En établissant et d'une manière équilibrée. Pour que ce que tu vas gagner aujourd'hui, ça n'affecte pas ceux qui vont venir de la nouvelle génération. Donc, c'est cette stratégie que nous utilisons, en voyant tout ce que nous faisons même. Et en matière de nettoyage, tout ce que nous faisons, c'est dans la manière du respect des lois écologiques. Moi-même, je suis quelqu'un qui suit la loi de l'écologie tellement. Donc, je fais tout pour pouvoir l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, il faut vivre. Faut vivre très longtemps pour pouvoir bénéficier des investissements que tu fais aujourd'hui. Mais si tu détruis ton environnement, tu vas finir de travailler, après tu meurs et quelqu'un d'autre va venir. Moi, je ne vais pas mourir. Merci beaucoup. On va revenir sur ce projet, ça m'intéresse beaucoup et je voudrais vraiment en savoir plus. Retournons auprès de notre ingénieur pour pouvoir aller de façon vraiment très très technique et scientifique. Alors, vous êtes ingénieur. Peut-être que vous maîtrisez, on ne sait pas, tout ce qui tourne autour des arbres. Est-ce que vous pensez que le Togo est un pays suffisamment vert? Bon, merci. Actuellement, on ne peut pas affirmer que le Togo est un pays suffisamment vert. Oui, le Togo regorge beaucoup d'arbres, mais c'est insuffisant. Ah bon? Oui. Il y en a plein. Quand on prend au niveau de l'hôtel, là, au niveau de l'ambassade, au niveau de l'université, il y a de gros arbres. Si nous prenons dans le maritime, prenons seulement dans le maritime, on peut estimer les arbres à combien de pourcentage. Aujourd'hui, même le Togo n'a pas encore atteint 30% de reboisement, au fait, sur le plan national. Donc, et c'est beaucoup de travail à faire. Et dans l'objectif d'atteindre en 2030 au moins de reboiser 1 milliard d'arbres, pour moi c'est un plaisir. Parce que vous avez du boulot. Oui, vous avez beaucoup de soins. Vraiment. On a déjà commencé à gagner des sous. On a commencé beaucoup de travail. Dans sa discussion, il a parlé des écoles, des établissements. J'ai travaillé au laboratoire botanique de l'université de Lomé, où j'étais le technicien. Nous produisions, d'abord quand nous parlons du reboisement, il y a un travail qui se fait avant le reboisement. C'est ça, c'est de produire les plants. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question par rapport à ça. Il dit, est-ce que les 1 milliard d'arbres là, c'est possible de les atteindre? Et aussi, où est-ce que vous allez trouver les plans pour les mettre en terre? Merci pour la question. Aujourd'hui, je dis que c'est possible d'atteindre les 1 milliard. Oui, si, on va trouver ça où? Si chaque jeune se donne à fond, donc c'est possible. Si nous prenons par exemple le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières. Cette année, le ministère de l'Environnement a produit plus de 13 millions de plants. Ah bon? Pour le 1er juin. Okay, donc, si par exemple, en fait, ils avaient prévu au moins 21 millions. Mais jusqu'au 1er juin, ils ont produit 13 millions de plants. Comment ils font? Ils trouvent ça où? Mais bon, c'est, non, il y a les semences et ils emploient des jeunes qui font les empotages, qui font germer les semences, tout ça là. Et il y a un suivi. Par exemple, je suis allé à l'ODEF la dernière fois. Justement, c'est la question que j'ai posée. J'ai vu, c'est un système d'arrosage qu'ils ont mis en place. Donc, ils ont disposé. Il y a tout un dispositif là-bas. Très bien. Tu n'es pas obligé de prendre l'arrosoir et d'arroser.
Tout est là. Tout est là, le système est là. Non seulement c'est de suivre régulièrement et d'arracher les herbes dans le pot pour pouvoir garder les plants sains pour la mise en terre. Aujourd'hui, nous pensons que le 1er juin, c'est le jour où il faut reboiser. C'est une erreur à ne pas commettre. En fait, le 1er juin, bon, si je peux dire dès les années 1977 comme ça, c'était la journée de l'arbre. Mais maintenant, on ne peut plus parler de journée de l'arbre. Aujourd'hui, tout le mois de juin est consacré au reboisement. Aujourd'hui, nous, nous continuons de reboiser. On n'est pas encore fini. Non, mais on continue. Bon, premier jour, continue. On continue toujours. Et je vais rejoindre M. Lucien à Corvier ici avec le laboratoire botanique de l'Université. Vous avez encore un projet à Corvier. Oui. L'année passée, on a reboisé et avec le projet Wakar. Bon, c'est pas trop, mais 30 hectares au niveau de... Rien que des plants que vous mettez là. Et vous gagnez quoi derrière? Hein? Qu'est-ce que vous gagnez en mettant des plants? Des plants? Au fait, quand nous parlons de plants, aujourd'hui l'arbre a beaucoup de rôle dans la société. Aujourd'hui nous respirons, l'air que nous respirons, si l'air là n'est pas naturel, ou bien l'air là n'est pas... Bon, aujourd'hui moi je vois combien de fois les arbres, bon, par exemple dans la séquestration du carbone, avec le réchauffement climatique aujourd'hui, l'arbre contribue beaucoup à la séquestration du carbone. Donc si nous parlons de ça, il faut alors mobiliser beaucoup de fonds, mobiliser beaucoup de ressources humaines pour pouvoir reboiser chaque jour. C'est clair. Donc à Corvier, on a eu à créer aussi les clubs environnementaux dans les écoles. Donc cette année, même avant le 1er juin, on a distribué les plans dans les établissements. Dont les jeunes sont impliqués. Avant même le début des les débuts des pluies, nous on a déjà distribué les plants. Et il y avait un suivi. C'est-à-dire qu'on plante et on délègue les jeunes, le club qui suit régulièrement à travers les arrosages, tout ça là. Voilà. Donc aujourd'hui, reboiser est très capital. Pour, voilà. Et il faut forcément qu'on puisse mettre la jeunesse au cœur de, automatiquement, de ce processus pour que déjà, puisqu'on dit souvent la jeunesse est l'avenir de demain, donc il faut quand même que nous aujourd'hui nous puissions avoir cette bonne habitude là de nous intéresser à la question environnementale. On sait quand même que dans notre pays, depuis très longtemps, les jeunes ne s'intéressaient pas aux sujets qui sont liés à l'environnement. Comment pourrait-on expliquer ce regain d'intérêt pour les sujets liés à l'environnement? Est-ce que parce que les jeunes ont compris que c'est comme s'il y a des financements dans notre projet? Parce que, c'est une réalité aujourd'hui, et puis c'est un peu déplorable pour notre pays. Il y a beaucoup qui s'engagent sur un certain nombre de sujets parce qu'il y a des financements extérieurs qui viennent. Ah, c'est normal. Quand on parle des questions d'équité, genre, il y a beaucoup qui sont investis dans ça, pas parce qu'ils épousent l'idée, mais parce qu'ils veulent des financements, ils vont se dispatcher les trucs Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui on a compris que sur les questions environnementales, il y a de l'argent, on va aller faire des trucs sur le terrain et après on va se partager les sous? Ou bien est-ce que vraiment les jeunes ont compris que c'est important, monsieur Lucien? Merci. Merci beaucoup pour social. Merci beaucoup pour cette question. Parce que hier je disais sur un plateau comme ça et je me disais, j'étais étonné la dernière fois on fait COP 15 à Abidjan et je vois ceux qui se disent environnementalistes sont en train de manger, laisser assez de nourriture sur la table. Vous voyez. Et je me dis, bon, est-ce que c'est quoi? C'est le faire voir ou bien c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au juste? J'étais un peu choqué. Je vois même ministre de l'environnement qui a fait ça. Moi, j'ai suivi à la lettre ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, moi aussi, je devais être à Abidjan, je devais être en FEMUA. Si j'étais invité par la Fondation Maïs Sissem, mais j'ai annulé mon billet d'avion parce que j'ai un autre programme ici. C'est déplorable aujourd'hui que les gens suivent les choses par intérêt, c'est-à-dire le gain. On ne fait plus les choses par amour. C'est pour ça, cette année, quand nous voulons faire, je ne suis même pas allé au ministère de l'Environnement. Pour que, c'est ça, c'est quelque chose pour montrer à la jeunesse que non.
En fait, si tu aimes la chose, tu peux le faire. Ce n'est pas pour l'argent que nous sommes en train de travailler. Parce que si tu fondes tout ce que tu as trouvé faire pour l'argent, le jour que tu n'auras pas l'argent, tu vas déserter. Donc, les questions de l'environnement sont très fondamentales à regarder. J'aurais dit que c'est plus qu'important. Mais les gens, il faut d'abord que nous puissions se donner en fond, de travailler en réalité et non pas se faire voir dans ce travail-là. Nous sommes même dans la gestion des ordures. Nous faisons le dégagement des dépotoirs sauvages. Nous avions investi de l'argent pour faire le dégagement des dépotoirs sauvages dans la commune Amou 3, sans que même la mairie ne nous ait pas accompagné avec un franc. Nous le faisons avec nos propres fonds. C'est ça qu'on va dire que ce n'est pas parce que l'État donne de l'argent. C'est ça que je dis. Et je suis économiste de formation de base. Nous appelons ça, ce sont des actions irrationnelles. En fait, si c'est moi l'État, je ne vais pas donner l'argent à un jeune parce qu'il dit qu'il fait l'environnement. Si je ne vois pas ce qu'il a trop de fait, je ne lui donne pas l'argent. C'est, si l'État arrive à suivre tout ça là, ça va permettre de pouvoir corriger tout ce que les jeunes sont entre les supposants activistes de l'environnement, alors que c'est eux plutôt qui sont en train de détruire l'environnement. Donc, je pense qu'il faut revoir tout cela. Et aussi, les médias sont là. Et quand vous recevez quelqu'un sur le plateau et qui n'arrive pas à donner ses réalisations, c'est-à-dire, par exemple, mon cher ingénieur est en train de dire tout de suite ce qu'ils ont fait à Convier. Il est en train de monter quelque part. Ce n'est pas aller, le premier jeune, aller se faire voir. Comme je l'ai dit, on a fait toute une préparation avant de faire le premier jeûne. Et ce n'est pas les 3400 que nous avons planté le premier jeûne. Mais tout a été fait. Nous avons commencé depuis. Donc, c'est ce que je vais dire, que de ne pas aller se faire voir, mais de travailler pour l'atteinte de ses objectifs. Je pense que les jeunes ont compris. Il ne faut pas faire le match vu. Il ne faut pas aller planter 2-3 arbres, prendre des photos avec iPhone, Google Pixel, aller sur Facebook pour dire oui, j'ai accompli mon devoir civique, avoir des likes sur les réseaux sociaux. Et après, on sait, parfois on te demande d'aller nous montrer la route. On a planté, on ne sait même plus là où on a planté. Ouais, c'est quand même déplorable. Alors l'ingénieur, nous allons vous donner 10 secondes pour nous placer un dernier mot à l'endroit de la jeunesse afin de l'inciter à s'impliquer avec honnêteté sur les questions environnementales. Parce qu'on a compris quand même qu'il y a des gens qui font le faux dans leur lutte. 10 secondes pour en tout cas adresser un message. Ok, merci. Je remercie beaucoup les jeunes qui ont pris conscience qu'aujourd'hui, reboiser est important. Donc, je vais juste encourager ceux qui ont pris conscience et demander à ceux qui n'ont pas encore pris conscience de s'investir aussi dans le reboisement. Aujourd'hui, nous sommes jeunes. Nous pouvons planter un arbre ou bien nous pouvons faire un reboisement et d'ici 10 ans, l'exploiter et ça rentre dans notre économie. Parce qu'à l'étape perche, à l'étape poteau, on peut vendre et les pieds. Et si on a une vision lointaine, on peut toutefois aller jusqu'à 20-25 ans pour pouvoir avoir les grumes, les billes et pouvoir vendre. D'accord. Donc, je mobilise beaucoup les jeunes à s'intéresser à l'environnement. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on n'a pas le temps? Le DG, Lucien, aura également 10 secondes. Ok, merci. Et ce que je peux dire tout de suite, c'est de, d'une manière honnête, de remercier les acteurs qui sont toujours sur le terrain, qui sont en train de réaliser quelque chose. Et de dire à ces personnes aussi qui essaient de se montrer qu'on n'est plus à l'heure de la théorie, mais nous sommes à l'heure de la pratique, que nous tous, on s'investit et en faisant des actes en posant des actes sur le terrain, ce n'est pas pour le bien du gouvernement, mais c'est pour nous tous. Et si nous reconnaissons que c'est pour nous tous, il faut qu'ensemble, nous puissions s'investir et rendre notre environnement vert comme le programme l'a dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers amis, le DG Lucien et monsieur Dattier, pour avoir accepté notre invitation et surtout pour nous avoir en tout cas expliqué les questions autour de l'environnement. Nous n'avons pas été vraiment en profondeur du sujet parce que c'est un sujet qui est vaste. Nous allons les rappeler, ils reviendront. En tout cas, dans cette émission, la porte leur sera toujours ouverte pour qu'on puisse vraiment discuter sur ces questions. Merci beaucoup à Valentin, merci beaucoup à notre graphiste, M. Guy K.
Kablé qui nous accompagne toujours. Merci beaucoup à notre shooter Beckenbauer qui nous accompagne toujours. C'est lui qui nous permet en tout cas d'avoir de belles photos. Merci beaucoup à la régie, à tous ces techniciens-là qui nous accompagnent et qui nous permettent en tout cas de pouvoir servir le meilleur de l'information à nos fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup pour vous qui nous suivez chaque dimanche de 17h30 à 18h30. Merci beaucoup à Bénédicte. Merci. Je vais exceptionnellement lui permettre de clôturer l'émission. Merci beaucoup à tu toi. Tu peux parler anglais, allemand, chinois, tout ce que tu veux. Ok, merci beaucoup à toi, Edem. Merci beaucoup à nos téléspectateurs. J'espère que nous avons pris bonne note de tout ce qui a été dit sur le plateau, sur les questions qui portent sur l'environnement. Merci beaucoup à nos invités également. Et ce soir, j'ai été vraiment impacté par l'émission. Merci beaucoup à toi. Et je dirais, avant de clôturer l'émission, que courage aux gens du showbiz togolais. Beaucoup de courage à vous, force à vous. Et j'espère que le meilleur reste à venir. Bonne soirée à tous. On se retrouve le dimanche prochain. Félicitations, Ghettoma. Et merci beaucoup à Ghettovi. Merci beaucoup à Ghettovi. On se retrouve dimanche prochain.